Le président m'appelle. Il dit, DG, moi t'en dans pile et rafale dans la zone là moi. Et moi besoin de quoi. Il dit, président, qui sont fait? Qui est sous relais? Le président dit, moi relais, la guerre civile, qui c'est coordonnateur de l'unité et sécurité par les nationales, m'a jeune. Mais les Dimitri Erard, qui c'est responsable de l'URGPN, l'unité de sécurité par les nationales, moi pas jeune. Moi dit, président, m'a venu. Entre temps, imaginez, entre 1h30, 1h35, quelque chose de terrain, tout le monde, moi j'étais dans la base avec tout le commandant, c'est vrai, mais pour mobiliser les policiers qui étaient campés dans la machine, et pour révéler l'autre troupe, mobiliser des néos, et soit team, libre mon titre pour me faire ça, entre temps, par exemple, qui t'a dirigé, l'inspecteur général par exemple, membre de mon cabinet, qui t'a dirigé l'opération Torcel-là, rentré dans la base. Alors, on était en distance devant le directeur général, lui-même était non, côté, dans l'espace plus grand. Je déplaçais ma joindre par l'heure. Mais entre-temps, avant ma joindre par raison, moi, je viens le président deuxième fois. Je pas joindre le président. En tout l'espace, 5-10 minutes en deux, en premier appel. Et puis, je me dis par raison, moi, on se rappelle le président, dès que j'aimerais ne pas joindre, allez, puisque vous-même, par exemple, dis-moi, président, il aime tout. Mais je suis rentré dans la base pour une machine blindée. Je me dis, par exemple, dégageons, allez rapide, parce que, par exemple, son homme de confiance, très opérationnel, très dynamique. Je me dis, par exemple, montez. Par exemple, virer machine, il allait avec l'équipe lui. Une seule machine. Parce que, et puis, entre-temps, moi-même, j'ai mobilisé l'équipe, backup PAM, backup des CPJ, backup des CPA, l'autre backup qui était disponible, pendant que j'ai pris les DDO, j'ai pris les SWAT, pour me déplacer. Et je me suis déplacé avec mon cortège du haut commandement. Je fais route pour me faire. Et puis, le, entre-temps, pendant que je passe sur l'aéroport, Delma 31, et puis pendant que je suis dans une zone qui est devant, par exemple, je me dis, DG, moi, je vais mon pèlerin. Dans zone ça, il y a des gens qui braquent sur moi. Moi, des policiers URGPN, le responsable de l'URGPN, dit, commandant, vous n'avez pas besoin d'avancer parce que nous croyons c'est Dieu qui a opéré. Je dis, par exemple, sortez là. Moi, je dis au président menacé de Grélem, lui, longtemps, qui a fait de Dieu? Je dis, si Dieu a fait une opération à l'OSA, moi, je connais. Je dis, dégagez-vous, montez, entre-temps, à progresser. L'homme arrivé, on se casse pis devant, là, ça m'a mis dans son frère, m'a monté. Par exemple, Grélem encore. Par exemple, dit, comme madame Fouan, j'aime arriver, me déplacer, moi, dans une zone, basse par des, même ouais, bandits, même ouais, des moules, cap descendre, moi, deux, cap descendre, pour y aller à Pétionville. En tout temps, j'ai arrivé à Pétionville. Donc, m'a fait barrage. Et puis, le parison arrivé, troisième appel parison, quatrième appel, je dirais. Parison, il est DG. Moi, je arrivé à président. Nous perdons le président. Président mourir. Je dis, par exemple, c'est vrai, moi, je vérifie. Je dis, quoi de première dame? Première dame, non, blessée. Il n'est pas bon. Je dis, passez une première dame. Je dis, première, nous regrettons ça privé. Nous n'avons pas de disposition par raison pour mener un côté pour aller prendre soin. Parce que je dis, je ne sais pas qu'on a pleuré. Je dis, par raison, sans pas m'aider côté de aller à sa discrétion. Par exemple, organiser le cortège pour descendre avec, pour la prendre pour mission, parce qu'il t'a payé. Il est blessé grave. Entre temps, l'essentiel, puisque j'ai des informations, hein, moi réunis toutes les, moi dis, tout le commandement de ça, soit j'ai arrivé avec un blindé, moi j'ai rentré et mobilisé toute la police qui était dans le commissaire à Pétionville, tout renfort qui était à venir. Mais il faut dire, entre temps, pendant ce route-là, après le deuxième appel, le président, brûlez la gueule. Je ne pas joindre la gueule. Alors le coordonnateur. Brûlez Dimitri. Je ne vais pas joindre Dimitri. Et puis il me dit, monsieur, c'est pendant ce espace-là, il dit, monsieur, n'a pas barré. Alors maintenant, je nous barré pour Bokinam, non? Et puis l'autre côté était de l'eau. Tout côté n'est côté qu'à descendre, parce que l'essentiel qu'on a, c'est Kembe les bio. Entre temps, pendant Chita, pendant que nous campions sous place Saint-Pierre là, nous avons fait barrage là. Monsieur Yo, le, pour tout est aspect question, hein, bien important,
juge japonais, côté le président sorti. Parce qu'il y a tellement d'informations que l'État supposé. Parce que, c'est ça qu'on dit, pas d'enquête. Pas d'enquête. Parce qu'on est qui s'allié. Bon crime qui fait, un président a assassiné, monsieur n'a pas capté le conseil à la légèreté. Ou dis-moi, m'impliquer. Parce que, bah, je dis, Pierre Espérance dit, Pierre Espérance, son menteur professionnel, tout le monde connaît en Haïti. Comment on fait pour parole Pierre Espérance? Pierre Espérance impliqué dans l'assassinat président, jusqu'au coup, c'est l'initiel, avec mandat. Bon, faut descendre. Avec mandat, juge Noël Siste. Et les faits sont là. Kounien, Batcho. Quels sont ces faits? Non, pour Pérespérance, quels sont ces faits? Les faits, Pérespérance, fait juge Noël Siste. Et mettre un président comme président de la République en fonction. Il passe, société appartient. Oui, mais est-ce que, non, mais est-ce que le gain droit ça? Tout le monde connaît que Pierre Espérance, c'est un défenseur droit monde, l'a dirigé une organisation, sous qui base dit qu'a fait mettre un mandat pour arrêter. Ah, là, Mario Beauvoir, c'est l'avocat du NDDH, même mandat ça a été présenté dans l'ambassade américaine en Rouen, Mario Beauvoir a présenté, okay? Il a utilisé pour assassiner le caractère président. Okay? Et tout ça que tu as fait contre le président. Mais bon, bon, on retourne sur la question qu'on dit. Avant de tourner sur Espérance, je vais quitter le bout dernier. Badjo. Badjo, oui, nous te connais Badjo. Après, en 2010-2011, au ministère de la Justice, nous sommes toujours apportés des dans le cabinet de ministre de Justice, Paul Denis. Nous travaillons avec Badjo pendant un petit temps. Mais Badjo, c'est Badjo, même si c'est Léon Charles. Je suis retourné aux États-Unis, nous tournons en Haïti à plusieurs reprises. Depuis 2012, je n'ai jamais contact avec Badjo. Il me dit devant le juge. Et la nuit, durant la passation du président, relevé téléphonique dit que Badjo a 17 fois. Je ne pas répondre. OK? Donc, si vous avez fait ça, vous ne pas parler à monsieur. Et puis, vous avez cité que le dit là, le code. Donc, une question de crédibilité. Au moins, si tu dis ça, ou t'as pris les moyens, bon, Max, c'est pour me défendre ta preuve. Ou bien, mettez preuve que dans 10 dernières années. Un moment. Qui est-ce qui dit que Badjo Relo 10 à 12 fois? L'enquête là, on a beaucoup fait. Monsieur Bia, il y a un ou le téléphone digicel, des 17 appels qui fait. Il y a un appel que je fais à président. Ok, il y a tout appel, là, et la technologie. Non, mais, non, en tant que soit appel Badjo, Badjo est très vraiment ou pas très lourd? Je ne sais pas. Bon, Badjo. Badjo, si on dit Badjo, je ne sais pas répondre. Il y a l'autre monde qui est élève, il y a son ancien numéro de téléphone qui me dit l'homme d'affaires étrangère. 48, 88, 98, 98, que je ne peux pas utiliser. Peut-être qu'il y a l'homme sur le téléphone, mais pour qui ça y a pris l'homme? Donc révélation, ça c'est qu'est-ce qui fait lui? C'est Pierre Espérance qui fait lui, qui dit Badjo Relo plusieurs fois? Oui, Pierre Espérance fait. Bon, je vous Pierre Espérance. Pour qui t'aime finir sur Badjo, s'il te plaît. Ok, d'accord, on allait. Badjo, je ne vais pas à Badjo, ni la semaine, ni le jour assassinat président, ni la semaine, ni le mois, ni les 12 dernières années passées avant. Comment on est qu'à faire pour l'équipe à Badjo? Okay? Donc, cela, c'est le juge a mis une décision dans le point qui fait dire Léon Charles est complice. Mais c'est de la méchanceté. Les gars, vous voulez écraser un tel président. Moi, je remets des missions pour me cabaler. Au fur et à mesure, je parle avec moins d'émotion ou avec Suzanne. Mais le dit, monsieur, mon président assassiné dans plein de deuxième siècle. Et puis qu'on y a pour mon abdi, il a fait des supputations, a dit qu'il avait évoqué des questions au discours président estimé, pour dire les bergers ont livré. Mais écoutez, pas d'enquête. Pas d'enquête, moi-même, ça m'a fait là. M'a fait bataille ça pour me laver non. Parce que je ne parle rien pour moi, président. Sauf que moi, j'étais directeur général. Pour PSPS. Le personnage de l'espérance, défenseur des droits de l'homme, de tout temps, mais c'est le c'est monde qui viole plus de droits dans le pays. Il est posé en tant que juge, l'espérance a un réseau de tous côtés
Premier bataille, mon frère, Pierre Espérance, parce que je me rencontre tout le temps. Pierre Espérance a un réseau dans la police, dans tous les côtés, dans le commissariat. Si on a un incident passé, je ne connais pas Pierre Espérance parce qu'il a payé les policiers dedans. Moi, je fais bataille avec elle. Le jour, l'homme vient arrêter Colombien, avec l'aide de la population, bien entendu, je ne vais pas prendre ça. Je commence à faire opération, hein, parce que l'objectif, c'était pas quitter l'assassin du président et assassin, pour me faire les morts, pour me faire enquête là. Le 7 juillet, je vais transférer les bio de CPJ, transférer les bio de commissaire à Pétionville, à de CPJ. Premier monde, il y aurait le mieux dit, mais est-ce que vous voulez pas la monde, il me dit, pas de bail pour ça. La frontière, la police a fait enquête, nous avons venu, nous avons la situation, nous avons violé le droit, pour le président mourir, nous avons posé question, nous pourquoi pas accès. Pierre Espérance n'a jamais pas donné pour ça. Pierre Espérance participé dans plusieurs rencontres. Emmanuel Sanon et organisé. Pierre Espérance est l'aime. Jour assassinat président, pas de ma bonté. Ok? Pierre Espérance Cougnan, l'on connecte tout ça. Oui, mais c'était pour dire qui ça, le réel, là. Bah, bon. Non, donc, on ne connaît pas qui ça, le bal dire. Pas besoin de parler avec vous, ça l'a pris. Non, mais est-ce que. Bon, c'est. Non, mais DG, est-ce que c'est pas au manquement bon côté autour, le fait qu'on ne répondre, peut-être qu'il était capable de dire, sous pas au courant, tu n'as pas alerté au bout du cœur, attention, la vie du président Jovenel Moïse est en danger, et que pour presser le pas, pour qu'arriver, est-ce que c'est pas ça tout, que le tabal dit. Non, pas est-ce que c'est un suspect, parce que le président n'est pas là avec, il est en danger. Oui, mais président. Monsieur Charles, comment te fait qu'on est déjà que le son suspect, puisque c'est l'assassinat était en cours, en quelque sorte. Oui, je ne vais pas faire enquête là pour le président, je ne vais pas faire enquête là pour le juge. Le juge a fait enquête, il a décidé, moi, Pierre Espérance, lavé, Léo Charles est inculpé. Je défends ça, mais je dis pour l'histoire, la vérité. Pierre Espérance participer dans toute planification de production rapport que le fait sur la saline, mandat illégal que le juge ne tire sur le. Mais monsieur, il faut parler. Il faut le dire ça. Pour qui sa société n'a pas fait deal. On fait un peu ce rapport-là. Pour qui ça n'a pas évoqué dans l'ordonnance-là. Ah, c'est juste à connaître. C'est juste à connaître. Est-ce qu'on t'a dit juge là ça? Moi, dans les deux premiers, ça n'a pas soulevé, mais il y a des commentaires qui font en dehors de l'enquête. Okay? Mais, je n'ai pas besoin de dire. Parce que Pierre Espérance, pour qui ça Pierre Espérance depuis l'homme quitté? Pierre Espérance, Léon Charles Palabadjo, Léon Charles Pancob, Léon Charles fait ceci. Pour qui ça obsession ça? Soit violé. Ou sont défenseurs de droit monde. Même si je t'ai inculpé, même si je t'ai criminel, ou bien droit tout. Ou bien droit, non seulement le faire devant le juge là, il fait tout un réseau qui a parlé de Léon Charles, qui a menti sur Léon Charles. Donc, PSP a une réputation, qui a menti sur le monde, nous songez, Michel Sonsano, qui fait 10 ans en prison, sous menti, et en EDH. Donc, ça veut dire, il y a des personnages qui n'ont pas payé. Ok, ils ont imposé, comme ils ont tout dossier, ils ont le droit pour détruire le monde, et puis personne ne va dire, parce qu'ils ont un circuit tout côté, tout côté. Moi-même, je dis ça, je connais, même Jean, je ne vais pas mentir sur lui. Et il y a des gens qui ont dit, qu'est-ce qui est Espérance? Donc, juge là. Est-ce que l'Europe dit nous, monsieur Charles, est-ce que l'Europe dit nous que juge-là, t'es quitté l'influencé par d'autres personnes dans l'élaboration ordonnance. Est-ce que c'est ça ou envie de dire non? Je n'ai pas gagné pour moi à questionner le travail juge-là. Je parle de situation PAM. Juge-là cité des mondes qui, selon lui-même, qui confirmaient que c'était un assassinat président. Moi, dit non. Qui motive à son juge-là? Le temps va le dire. Mais moi-même, ma version pas. Si on l'autre enquête qu'a fait, il faut qu'on l'autre enquête fait, parce que trois présidents de justice, et m'a dit là, je m'a fait du cocalan, mais m'a dit, en tant que zami président, en tant que monde, moi j'ai responsabilité que je suis là.
chef de police, vous avez reproché, vous n'avez pas inculpé, vous n'avez pas dit que c'est moi qui fais. Donc, vous êtes d'accord que vous jugez ou même sanctionné pour responsabilité en tant que chef de la police, mais ou pas complice, ni ou pas de connivence avec les assassins, les auteurs intellectuels, les auteurs intellectuels de l'assassinat. Ma résumé pour son témoin, ou pas sème de, ou pas sème de témoin, accomplice, auteur, juge et commissaire gouvernement essaye de faire lui, mais les gouvernements comme auteur, ok, mais ou pas d'évidence, ou pas besoin d'évidence pour impliquer, soit pour être sérieuse, soit comparer contre un banque, côté mon qui finance l'assassinat président. Alors moi-même Léon Charles, mon chef de police, mon corps, est-ce que vous vérifiez contre un banque? Je pas besoin d'un pile, je pas besoin de parce que je en pile. Côté, est-ce que vous vérifiez appel de pas de vérification? Mm-hmm. Une enquête est basée sur la présentation des faits. Où sont les faits? C'est ce que le président estimé qui t'a dit, ou bien nous traite, c'est pour. Non, c'est discours. Qui j'en rapporte, bon, c'est bien que c'est chef la police ou en général, ou en général, entre vous-même et des CPJ. Il y a des gens qui font quoi que vous avez exercé des pressions sur des CPJ, que vous avez exigé des rapports au quotidien, pour qu'on ait dans quel sens enquête là pour aller. Bueno, bon, son enquête là. Oui. Sur rapport de CPJ, rapport de CPJ d'abord. Oui, bon, c'est l'enquête là. Alors, enquête de CPJ, pardon. Et rapport de CPJ. Écoutez, le président Mouri, il a assassiné le président, pardon. Et nous avons pour obligation, moi-même qu'on est. En tant que responsable, pour me faire tout ce que je suis capable pour me quimber et assainir, pour mener une enquête le plus vite que possible, et pour nous capables d'éléments, arrêter les gens qui sont capables, parce que je ne suis pas prêté. Mais moi fais 3 mois, ou bien 2 mois et demi, dans 30 jours, 34 jours, nous faisons une enquête solide, 800 pages. Je n'ai pas jamais une enquête là. Pas jamais demandé des CPJ. Parce qu'on a tête là dans la tête. Moi, je vis de douleur, moi, je vis de difficultés pour te mener une enquête. Nous menons une enquête, ça, sans nous. Déplacement en province, à chercher mon DCPJ. DCPJ, c'est le directeur central de la police, c'est un collègue. Il est très proche de moi, en tant que professionnel. C'est un non-professionnel, un technicien, qui sont entêteurs de formation. Tous les sont des qui discrets, qui ont de grands rapports, même qui respectent le travail. Mabzo, ma volontiers information ça. DCPJ, son équipe correcte, il y a des avancées, il me dit non, je n'ai pas allé là, pas allé là. Ok? Je n'ai pas d'accès à l'enquête là, il y a des PSPNA qui m'ont tiré, on parle ici. Je n'ai pas enquête là, non? 800 pages là. Je n'ai pas mandé là. Son enquête qui fait, son changé, nous avons une collaboration et Interpol. FBI débarqué, la direction d'intelligence nationale de la Colombie débarqué. Nous avons 4 entités qui ont fait enquête là avec nous. C'est ça qui fait, dans moins de 30 jours, nous avons arrêté les gens. Okay? Nous avons un commissaire gouvernement très dynamique qui a travaillé tout. Nous avons arrêté tout le monde, nous avons arrêté, sauf que c'est le plus difficile. Donc, nous avons été à distance. Pendant ma instruction, et surtout que c'est côté qui a une difficulté. Si par exemple, pour faire déplacement en province, nous faisons plusieurs, on a cherché Mme Kwok en province, dit caché. Et nous ne pouvons pas joindre malheureusement, il y a l'autre monde. Donc, son enquête, nous menons avec son, avec professionnalisme, enquêteur, BAC, DCPJ. C'est des professionnels qui ont des DCPJ, en pile respect pour eux. Mm-hmm. Donc, leur Pierre Espérance dit, comme vous tirez une enquête là, c'est parce que Pierre Espérance est rentré dedans. Il y a des policiers qui ont infiltré. L'ancien directeur général dit dernièrement, le type, il a contrôlé tout le bagaille, la corrompu pour y accès. Mais, pas jamais, seule enquête que j'ai eu, c'est résumé à 125 pages là, sans amis gouvernement, m'a même demandé des CPG.